Alors, je le disais tout à l'heure, Florian, le projet Découvre ta nature a démarré il y a déjà quelques temps. Alors, au départ, une web série. Vous êtes une petite équipe justement qui vous occupez de ce projet-là, qui a but justement éducatif hein, pour les enfants, notamment entre 7 et 14 ans, c'est la C'est ça, cible. exactement, ouais. Donc, ça a démarré Il y a un comment? an. Avec, il y a un an, avec Ouais. des vidéos. Donc, vous partiez dans la nature, un petit peu à Marseille ou aux alentours, jusqu'à 50 km. 50 km, ouais, C'est c'est le ça. périmètre, pour filmer des animaux dont on ne soupçonne pas forcément Existence. l'existence et puis l'occupation ici, hein, notamment des baleines et tout. Ouais. On ne sait pas ça. Hein. Racontez-nous comment ça a démarré déjà ce projet. Vous aviez envie. De montrer une autre image de Marseille et de ses environs. De Parce qu'on voit montrer. toujours une image négative. Exactement, voilà, enfin, vous le savez, hein. On Souvent. montre souvent une image anxiogène de notre ville. On avait vraiment envie de montrer une image tout à fait différente de Marseille et de ses environs, de redonner le goût de l'aventure aux enfants, et puis de leur donner une vision onirique et positive du territoire. Donc on est parti une petite équipe, comme tu le disais, donc on est parti avec Guillaume et Patrick, qui sont deux reporters photographes de la Provence. Patrick est parti côté terre, et Guillaume est parti côté mer, et on a créé donc une web série qui parle 10 espèces emblématiques qu'on peut trouver à Marseille et dans ses environs, des baleines, des dauphins. On peut trouver des chauves-souris, des aigles de Bonelli, des chauves-souris, des puffins cendrés qui sont à l'origine. Les Enfin, les puffins puffins. cendrés, Alors, les ça sont des puffins, oiseaux, hein? c'est des oiseaux qui vivent à Riou et qui sont. D'accord. Les puffins sont à l'origine du mythe des sirènes. Les fameuses sirènes d'Ulysse, eh bien, c'est en l'occurrence, ce sont les chants des puffins qui vivent à Riou dans le Oui, c'est 8e. pas que pour les 7-14 ans, hein? À tout âge, on peut apprendre, quoi. Exactement, Oui, ça, exactement. c'est vrai. C'est une véritable invitation au voyage, ouais. Ouais. D'ailleurs, ils ont réagi comment, les enfants, quand vous leur avez montré ces vidéos? Plutôt bien, Intéressés, ils ont j'imagine. été surpris. Hein, Oui. le premier surpris, ben, c'est mon fils. Ah, c'était le test, C'est le un test, petit peu. c'est lui qui a testé le livre hein, et le film. Et donc là, une fois qu'on a eu fini cette série, on s'est dit pourquoi pas réunir un ensemble de partenaires et d'offrir un livre pour Noël aux enfants et de l'offrir ben, gracieusement. Alors, on va voir des images justement extraites de ce livre qui n'est pas encore sorti, il n'a pas Il encore sort là. été Ouais, imprimé. ouais. Donc, le but. Comme la série, hein, assez simplement d'expliquer où on trouve ces espèces, quelles espèces également. Donc comment vous l'avez réalisé, comment vous l'avez pensé ce livre pour qu'il s'adresse justement aux plus jeunes et qu'il soit facile à appréhender? Alors, le livre, il a été réalisé par Megan Chen, qui est une journaliste naturaliste. Et elle a imaginé le livre comme un carnet de route, comme le carnet de route de Guillaume et de Patrick. Donc, ben, comme tout carnet de route, il est daté. Là, une image de Laurence Malherbe, la dessinatrice naturaliste, qui a dessiné donc Guillaume en train de photographier un hippocampe qu'on peut trouver au Frioul. Hein. Et donc, ce livre, il se décline en planche naturaliste. Il y a une centaine de dessins d'animaux. Et de flore, C'est de vraiment plantes qu'on peut magnifique. trouver ici. Et puis il y a aussi un dessinateur, Vincent Ringler, qui a dessiné 15 planches originales. Il a dessiné donc 15 planches de bande dessinée qui reviennent sur ces épisodes. Et ensuite, ben, des informations pratiques, 300 photos et Donc le DVD de la série. on retrouve les photos également des deux Oui. des photographes Oui. hein, qui Oui. ont travaillé sur ce projet au départ. Oui, il y a 300 images. Le DVD, la série dans son intégralité, du coup. En quatrième de couverture. D'accord. Et donc grâce. Alors, gratuit, Pardon, voilà, voilà. donc des Pardon. partenaires. Du coup, ce livre, on ne le trouvera pas dans le commerce, parce que Non. le but, c'est vraiment aussi d'offrir hein, cet enseignement aux plus jeunes. Comment vous êtes débrouillé? Ben, on a proposé le livre donc aux partenaires qui nous avaient suivis sur la série et ils ont tous eu envie, enfin certains nombre d'entre eux ont envie de l'offrir avec nous à Noël aux enfants. Et donc pour que le cadeau soit beau, on a fait valider le contenu, hein, on a fait approuver le contenu par l'inspection académique pour que ben, d'une part dans les classes, les enfants puissent étudier leur territoire finalement Oui. et dans les centres aérés aussi. Donc Et puis que ça serve de support, voilà, très sérieux. Ouais. Pour C'est un apprendre des support, choses. c'est le premier support qui parle réellement du territoire et qui le montre de manière différente, hein, puisque vous avez vu, il y a des cartes, il y a beaucoup de Oui. photos, il y a beaucoup d'informations. Il y a vraiment, on revient même sur des ben, voilà, Ulysse, Homère, Saint-Exupéry, Pagnol. Ah, les cartes, bon, voilà. Voilà, ouais, les cartes du territoire. Et les partenaires en question, ce sont des communes, par exemple, qui Oui. vont offrir les livres aux enfants de la Oui. ville? Il y a des mairies d'arrondissement, hein, comme Oui. la mairie du 4-5. Il y a la ville de Cassis qui va offrir le livre à tous les enfants de Cassis, Carry-le-Rouet, La Ciotat. 4 000 livres en tout, hein, 4 000 4 000 livres, tirages. 4 000 Hein. livres. Avec le Ouais. Parc national des Calanques aussi, c'est un partenariat avec le Parc national des Calanques qui
premier parc périurbain quand même d'Europe, qui est magnifique, hein, qui est à deux pas de chez nous et qui recèle mille et un trésors. Voilà, et si jamais on veut se le procurer et qu'on ne fait pas partie de la commune ou du secteur en question, comment on fait? On déménage. Ah ouais. On déménage, on va habiter dans le Cassinque ou à Cassis ou à Ciotat. Non, plus sérieusement, oui, on va continuer à demander à nos partenaires ou à d'autres partenaires de nous rejoindre, hein, puisque le but c'est de dépasser ces 4000 exemplaires. Et vous ne voulez pas les vendre, vraiment? Enfin, vous voulez que ce soit offert? Oui, vraiment, on y tient, pour l'instant on y tient vraiment parce que c'est une période difficile, c'est une période qui est chahutée, c'est compliqué pour tout le monde, on lit tous des mauvaises nouvelles et on a vraiment, vraiment, vraiment envie de donner un beau cadeau, un regard totalement neuf et différent de notre région et notre ville à ses enfants. Et on pense vraiment que les meilleurs acteurs pour le faire, ce sont les institutions, ce sont les communes, ce sont elles qui travaillent tous les jours avec les enfants, les centres aérés, dans les classes, hein, puisque 7-14 ans, c'est voilà, CE1, CE2, jusque 5e. Voilà, donc on a vraiment envie de travailler avec eux et de voilà, d'aller au plus près, quoi. Et de s'affranchir de la notion de l'argent. C'est peut-être le moyen aussi que le livre soit ouvert et étudié ouais. Vraiment avec... Ouais. L'idée, c'est vraiment de s'approprier le livre. Voilà, c'est de parcourir, de venir et revenir dans les pages. Mais du coup, parce que j'imagine que pas tous les professeurs du territoire sont super au point sur le puffin cendré. Ouais. Est-ce que vous avez à côté une aide pédagogique? Oui, on se propose, nous, de l'association, et donc les personnes qui ont réalisé le livre de venir animer des conférences, expliquer. Et puis je vous dis, on a le Parc National des Calanques avec nous, hein, donc il y a un vrai statut, des vrais gens compétents, des véritables personnes compétentes pour pouvoir nous appuyer sur ce projet. S'est appuyé sur beaucoup de personnalités comme Nardo Vicente et d'autres personnes. Alors en parallèle, il y aura également un concours photo qui a été lancé, un concours de photo et de dessin. Ouais. Comment on fait? Quel est le thème? Qu'est-ce qu'on doit photographier? À qui ça s'adresse? Expliquez-nous tout. Eh bien, ça s'adresse aux 7-14 ans. Donc, il y a un concours dessin et photo. On demande aux enfants de nous envoyer à la Provence des dessins, des photos, de la nature autour de chez eux. De la nature. Donc, quand ils envoient à la Provence, il faut qu'ils écrivent « Découvre ta nature » dessous. Voilà, donc, tout simplement, voilà, la Provence, avec l'adresse de la Provence, avenue Roger Salingros, dans le 15e. « Découvre ta nature », donc photo, dessin de l'environnement naturel. De la nature en bas de chez eux. Ok. Voilà, ça peut il faut faire une photo et dessiner ce qu'il y a sur la photo. Il y a deux catégories, il y a le dessin, photo, et on leur offre les 4 plus grands vainqueurs, donc un appareil photo. C'est génial. Et les 40 suivants, on leur offre 40 livres avec le DVD de la série. Super. Voilà, et à venir avec nous le 11 décembre au cinéma du Prado pour pouvoir. Donc là, c'est parti, c'est en cours. On peut les envoyer maintenant. Aller, donc allez-y. Photographier jusqu'au 1er décembre. Jusqu'au 1er décembre. Jusqu'au 1er décembre, donc, il faut photographier. Jusqu'au 15 prochain, à peu près, 7-14 ans. Envoyez vos dessins, vos photos de tout ce qui touche à la nature, que ce soit des animaux, des plantes, ce que vous voulez, voilà, photo ou dessin pour gagner ce appareil photo ou le livre. Est-ce que si on photographie les géraniums de mamie, ça marche? Et pourquoi pas, s'ils sont super bien dessinés. Vous avez vu les dessins de Laurence Malherbe, ils sont magnifiques. Alors, la barre est haute, là. On peut imaginer que l'année prochaine, vous continuiez à faire une petite série, justement, sur le web, pour retrouver des épisodes avec d'autres animaux, d'autres espèces. Ouais. On va continuer avec la Provence. La Provence est associée au projet. On souhaite aller plus loin, proposer encore d'autres belles histoires à raconter. Bon. Voilà, et peut-être, qui sait, en partenariat avec LCM. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, Florian. Merci. Et puis bravo pour ce beau projet.